Mais bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos sur farming qui s'appellera la ferme sud-américaine, enfin ma ferme sud-américaine, pardon. Donc je vais tout de suite vous présenter un petit peu l'exploitation. Donc alors ici dans le garage avec la petite voiture rouge, hein, donc c'est la Visar convertible qui est plutôt sympa comme voiture, je trouve. Donc par là on a le matos, hein, donc comme vous pouvez le constater. J'en ai qu'une que je vais peut-être vendre ou peut-être garder, je sais pas encore. Plutôt le garder parce qu'il est pas mal sur Denner quand même. Alors qu'est-ce qu'on a par ici? Là on a un Valtra T234. Ouais c'est bien ça, T234. Avec une planteuse à canne à sucre. Je pense qu'on va peut-être faire un petit peu de canne à sucre en vidéo. Ouais, ça serait sympa on va dire. Là on a un Stara STMark 180. Roue étroite avec un dépendeur à Amazon. Ici on a un BSM 950 légende, un plateau porte-char Goldolf, gold de fer avec une Casi H, une récolteuse à canne à sucre Casi H A8800. Là nous avons par ici, nous avons à droite, on a une Casi H 9230 roue jumelée, équipée roue jumelée américaine. Ensuite on a un 8737 de chez Massey Ferguson avec transbordeur à canne à sucre Massey Ferguson 3012. Par ici nous avons un ensemble de presse Massey Ferguson 2190 avec un petit Massey Ferguson 7226. Là par ici nous avons Optum 300 avec un transbordeur à grain Reebok Ninja 33000 pardon, de chez Stara, du DLC Platinum. Par là nous avons un 1455 de chez Casi H avec une grande cune, Pryos cune. Et tiens, ici un Manitou New Holland 742 et M742. Là on a une Josquin Prolo, une Cubic Liner de 32 tonnes avec un lambeau Mac VRT 230. Un petit plateau pour la paille de chez Black Sheep Milling, très beau plateau d'ailleurs. Là une Fender, attends voir c'est quoi le modèle, une putain 94-90X pour le maïs et le tournesol. Ah, ici une Krone Big M 5, Big M 500 2017 qui est bien modélisé d'ailleurs, franchement il est beau l'intérieur, hein. Puis le démarrage, franchement, il est juste magique. Qu'on est mort, on sera un petit peu dans une vraie, quoi. Là, on a un 926 Vario. Enfin, on a un Fan Favorite 926 roue jumelée pour l'ensilage. Pour tasser l'ensilage, hein. Donc celui-là, je vais peut-être le garder pour l'ordinateur. Je vais peut-être le mettre en roue basique et le garder pour l'ordinateur. Là, on a un train routier Full Black Sheep Modding, hein, donc remorque Black Sheep Modding. BSM 950 légende de chez Black Sheep Modding, franchement magnifique, bon un peu crabe mais magnifique quand même. Une Krone Big X 1100 pour l'ensilage, enfin pour l'ensilage de maïs en l'occurrence. Ici un Fen 936 Vario, Fen 939 Vario Black Beauty Edition, rejumelé avec un semoir big, avec un semoir Great Plains pour le maïs. Là encore un train routier spécial canne à sucre. Ici on a un Magnum 380 CVX avec le Stomar Stara 15 mètres. Quand on le modèle du Stara, je sais plus. Le Estrella 32, pardon, voilà. Équipé roue jumelée, masse à l'avant. Et attention, il envoie. Hein. Donc voilà, on a à peu près fait le tour. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Ah oui, le New Holland, le chargeur New Holland à bois. Pour raser un petit peu la forêt, histoire de faire ici une prairie. Le Fen 900 Vario avec le décompacteur au sol. Ça on a déjà vu, ça on a déjà vu. Déjà vu. Ah oui, on a encore un BSM 950 légende pour le bois. Pour vendre le bois un petit peu. On a un petit Fenwick aussi pour les palettes au bouton.
Ah oui, je voulais vous dire. J'ai aussi un pulvérisateur Sara Imperador 3.0 qui est franchement top. Franchement, le top du top, les amis. Peut épandre de l'engrais puis pulvériser à la fois. Franchement, c'est juste génial. Et là, on a le monstre. Le Challenger MT-900E fil d'Anaconda. Enfin, 975, pardon, les amis. Avec un déchaumeur flexicole de 27 mètres. Donc, autant vous dire que ça rigole pas. Je crois que j'ai à peu près tout présenté, je crois. Ouais. Non, je crois que le T-Series, j'ai eu le présenté, je crois. Ouais. Bon, bah écoutez, les amis, sur ce, on va se. Ah non! Il manque encore le petit Massey Ferguson 4709 qui sert lui de valet de ferme. Hein. C'est un petit peu nettoyé, à nourrir, etc. Puis voilà quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode, les amis, pour le premier épisode? Bon, on va tout simplement déchaumer. Hein. Prendre le Challenger et partir déchaumer tranquille. Hop. Et voilà, on est parti. Sacré ensemble quand même, hein, putain. Quand tu vois un Challenger 900, MT-900 avec un déchaumeur de 27 mètres, je peux te dire qu'on n'est pas là pour plaisanter. Hein. En même temps, tu dirais la taille des champs, hein, c'est compréhensible. Des champs comme ça, tu le fais pas avec un déchaumeur de 5 mètres. Hein. À moins que tu sois un petit peu taré, mais. Mais tu le fais pas avec un 5 mètres, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Bon, je pense que le champ on aurait fini avec ce déchaumeur de 27 mètres, tu veux venir, hein, putain. T'as genre un tout petit bout là, ça me plaît pas, on va dire. Hop. Voilà. Nickel, hop. Va tout de suite attaquer là-bas parce que bon c'est pas très droit là tout ça. On va faire ça à peu près droit parce que bon je t'avoue que là c'est un petit peu du travail de cochon on va dire. Voilà.
Il y a un tout petit bout là-bas. Moi je t'avouerais que là c'est pas du boulot bien fait, on va dire là. Putain de manette aussi, elle commence à m'énerver. Hein. Je pense que je vais la changer là. D'ici peu de temps. Mais putain de manette, mais elle est vraiment têtue. Hein.
Putain, je suis un peu n'importe quoi, on va dire là, je fais vraiment de la merde. Que cette manière qui déconne là en plus. Enfin, je vous rassure les mecs, je suis pas comme certains youtubeurs, hein. Je demande pas des dons pour quoi que ce soit. Hein. Je me démerde pas moi-même. Ça, je pense peut-être faire en deux fois, peut-être, je sais pas encore. Bon, je t'avoue que niveau largeur ça prend, mais bon, faut quand même un peu se méfier. Ouais, bon, il reste une petite bande, mais bon, ça c'est pas grave ça. Allez, Challenger. C'est rien pourtant à 27 mètres, ça, c'est une promenade, ça. Tu tires le 27 mètres. Un pec, c'est déchaumé ça. Hop, on va ranger ça, puis on va s'arrêter là pour la vidéo, les amis. Je pense que la prochaine vidéo, ben. Peut-être faire de la pul. Peut-être faire du pulvérisé. Enfin. De pulvérisation, du semi, je sais pas encore. On verra ce qu'on fera. Alors le Challenger on va le ranger où celui-là tiens? On va le ranger ici pour l'instant parce que j'ai l'intention de faire un hangar ici pour le ranger. Ok les amis, on va se laisser là pour la vidéo, on va laisser le Challenger. Hein. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!